Guélo Desmoustelles. OK. Tu es en quel secondaire? Secondaire 5. Secondaire 5. Ce projet-là, comment tu es entré dedans? C'est Mme Cathy qui m'a informé puis je suis intéressé. Je suis un nouveau membre. Puis c'est quoi que tu aimes le plus qu'elle m'a fait aujourd'hui? Le dessert avec l'amande. Sorbet à l'amande, ouais, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre yogo. Puis cuisiner, là, faut y aller à l'œil aussi. Hein. Faut y aller son inspiration. Parce que, de toute façon, c'est ça qui est meilleur. C'est ça qui va sucrer le plus, c'est pas vraiment le sirop d'érable. Ça pourrait être facultatif. Non, c'est ça, on va voir comment ça va sortir. Avec des poires, on peut faire avec des pêches, on peut faire avec des petits fruits, aux fraises, ça serait excellent. Oui. Tout dépend de la saison, dans le fond, ce qui est en spécial. Moi, c'est Marie Claire Brelet, je suis nutritionniste à la commission scolaire, les services alimentaires. Je suis responsable de tous les projets qui sont en promotion de la bonne alimentation et en éducation de la nutrition. Ici, le projet, c'est super intéressant. Les jeunes partent vraiment beaucoup. C'est un projet pilote qu'on a essayé avec Daniel, qui est vraiment une cuisine communautaire. D'abord, c'est pour le départ en appart, c'est la thématique de cette année, parce que c'est tous des jeunes de secondaire 5. Donc, on veut leur apprendre vraiment les techniques de base en alimentation pour qu'ils soient capables de s'alimenter sainement puis à cause de frais. C'est vraiment, selon les recherches, c'est vraiment ce qui est le plus efficace pour changer les habitudes de vie. C'est vraiment qu'ils pratiquent les techniques, qui expérimentent les différents aliments. Qu'ils le fassent eux-mêmes. Oui, exactement. Puis comme aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a introduit le tofu, le quinoa. C'est pour qu'ils expérimentent des nouveaux aliments. On préfère, c'est différentes sortes de sandwich avec différentes sortes de viande. Ouais, ouais. On pourrait vraiment apprendre à faire des boîtes à lunch dans le fond sans ça vous tente? Moi, ça me dérange. Ça a l'air unanime? Les viandes froides ou les viandes poulet. Dans le fond, thon, poulet. Mayonnaise. Bref, il y a moyen de faire quelque chose aussi. Fait qu'on pourrait garder une petite variété, apprendre à différents pains, apprendre différents fromages, tout ça. OK. On pourrait mélanger. D'accord.